qui du lion et du gorille l'emporterait dans un combat à mort. Le lion, symbole de force et de grandeur, est considéré comme le roi des animaux. On le trouve en Afrique et en Asie, dans des habitats variés tels que la savane, la forêt et le désert. Le gorille, quant à lui, est le plus grand des primates, symbole d'intelligence et de force. Lui aussi vit en Afrique, dans les forêts tropicales et montagneuses. Alors, qui est le plus fort? Le lion mesure environ 3 mètres de long avec la queue. Sa taille au garrot peut atteindre 1,30 m et il peut peser jusqu'à 225 kg. Sa crinière imposante lui sert à intimider ses ennemis et à protéger son cou des morsures. Sa vitesse maximale peut atteindre 60 km par heure, ce qui en fait un chasseur redoutable. Sa morsure est l'une des plus puissantes du monde animal, avec une pression de 560 kg par centimètre carré, lui permettant de briser les os de ses proies. Le lion est aussi un animal social qui vit en groupe de 3 à 35 individus selon la taille du territoire, composé de 1 à 7 mâles dominants, de plusieurs femelles et de leurs petits. Cependant, le lion a aussi des faiblesses. Il ne peut courir que sur de courtes distances parce qu'il a une faible endurance. Il dépend beaucoup des femelles pour se nourrir, car ce sont elles qui chassent généralement. Quant au gorille, il mesure environ 1,75 m de haut et peut atteindre un poids de 250 kg. Sa musculature remarquable lui permet de soulever jusqu'à 10 fois son propre poids. Sa mâchoire puissante est capable d'exercer une pression de 590 kg par centimètre carré, lui permettant de broyer des noix et des bambous avec ses dents. Ses mains habiles lui permettent également de manipuler des objets et des outils, tels que des pierres et des branches. Le gorille est un animal pacifique qui vit en groupe de 5 à 30 individus, composé d'un mâle dominant appelé le dos argenté, de plusieurs femelles et de leurs petits. Tout comme le lion, il a aussi des faiblesses. Sa vitesse maximale ne dépasse pas les 40 km par heure. Son régime alimentaire est limité, car il est herbivore et frugivore. C'est aussi un animal peu agressif qui préfère éviter les conflits plutôt que de les affronter. Analysons maintenant leurs forces et faiblesses afin de voir qui est le plus fort. En termes de taille, le lion est plus long que le gorille, et le gorille est plus haut que le lion. Cela donne au lion un avantage en termes d'allonge et de portée. Le gorille pèse qu'un lion et a une masse musculaire supérieure à celle du lion. Le gorille a donc un avantage en termes de poids et de masse musculaire. Concernant la puissance musculaire, le gorille est plus fort que le lion, car il peut soulever jusqu'à 10 fois son poids, soit 2,5 tonnes de charge pour les gorilles ayant un poids de 250 kg. Alors qu'un lion ne peut soulever que 2 fois son poids, soit 450 kg pour les individus ayant une masse de 225 kg. En termes d'intelligence, le gorille est considéré comme plus intelligent que le lion en raison de sa capacité à utiliser des outils et à communiquer avec ses pairs. Le lion, en revanche, a une intelligence plus limitée et s'appuie principalement sur son instinct. Cela donne au gorille un avantage en termes de stratégie et de créativité. Le lion est considéré comme plus agressif que le gorille. En tant que prédateur, le lion est habitué à se battre pour sa survie et pour protéger son territoire. Le gorille, en revanche, est un animal plus pacifique qui évite les affrontements inutiles. Cela donne au lion un avantage en termes de combativité et de férocité. Le lion est aussi un animal qui peut compter sur l'aide de sa troupe en cas de danger. Le gorille est également un animal social, mais il a tendance à être plus solitaire et indépendant. Cela donne au lion un avantage en termes de coopération et de soutien au sein de son groupe. Selon nos critères, le lion a l'avantage sur la taille, sur l'agressivité ou la combativité et sur la coopération sociale. Et le gorille, lui, a l'avantage sur le poids, la force ou la puissance musculaire et sur l'intelligence. Ainsi, un combat hypothétique entre un lion et un gorille serait très serré, car les deux animaux ont des forces et des faiblesses uniques. Mais l'avantage serait pour le gorille à cause de sa force et de son intelligence. Cependant, le lion pourrait également l'emporter à cause de son agressivité et de son expérience pour le combat, ou s'il bénéficiait du renfort de sa troupe. Et toi, qu'en penses-tu? Qui serait le vainqueur selon toi? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Abonne-toi et like si tu as aimé la vidéo.